Salut à tous, c'est Ville Ouverte. On est encore à Medellín et aujourd'hui, on va vous parler des transports. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la ville est extrêmement polluée. Alors, comment la ville a-t-elle repensé son réseau de transports pour apporter une solution durable à ce problème-là? Comment les transports ont-ils permis de réintégrer certains quartiers qui étaient jusque-là exclus du centre-ville? Et en quoi cela a-t-il permis de faire baisser le taux de criminalité et la violence? C'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Déjà, pour comprendre l'importance des transports à Medellín, il faut s'intéresser à sa topographie. Medellín es una ciudad que es construida en, la, en las partes altas. Entonces, Medellín se convierte en dos Medellín. El Medellín del centro y el Medellín de la periferia. Je sens vraiment qu'il y a deux mondes, quoi. C'est comme ce qu'on racontait au niveau de la vallée, avec tous les espaces riches au niveau du fleuve, et après, tes portes plus en haut dans la montagne, et ben, ça se ressent aussi dans les gens, parce que... Eh ben, il y a un style de vie qui est totalement différent quand t'es en bas, quand t'es en haut. Du coup, pendant de nombreuses années, l'État n'était pas présent dans les quartiers défavorisés, notamment parce qu'ils étaient inaccessibles. Es que los narcotraficantes llegan precisamente donde el Estado no está. Digamos, los narcotraficantes se convierten en microestados que manejan muchas de las formas de organización de la sociedad. On voit du coup comment la ségrégation géographique a facilité l'enracinement des narcotrafiquants dans ces zones urbaines oubliées. Los barrios eran concebidos como un problema. Que si tú partes del hecho de que un lugar es un problema, ¿tú cómo lo integras? ¿Cómo conectar un barrio que era considerado un problema a la ciudad y dejarlo de concebir como un problema? El transporte es vital. Primero, un cambio hacia la sostenibilidad, hacer ciudades más sostenibles, más incluyentes y más accesibles. C'est notamment pour ça que Holger Dahlmann, l'un des membres du conseil de l'ITDP, a dit que la ville de Medellín avait transformé le désespoir et la peur en espoir et opportunité en utilisant le transport durable comme l'un des principaux leviers pour conduire le changement. En fait, en développant les transports, la municipalité a fait bien plus que de réduire le temps de transit. Elle a réintroduit l'État dans des quartiers exclus de la ville. Medellín, el Estado, ou en Colombia, el Estado era legal, pero no era legítimo. ¿Por qué? Porque llegaban simplemente las Fuerzas Armadas y cuando llegaban las Fuerzas Armadas solo generaban un choque entre las Fuerzas Armadas y el Ejército. Y en las personas en comunes, cuando llega un soldado, en comparación a cuando llega una estación del metro cable o una estación del metro o el tranvía, llega con una visión totalmente distinta. Ahora el Estado tiene una validez. No solo fue construir el medio de transporte, sino que se cambió todo el entorno. Aquí se habla de los PUI, que son planes urbanos integrales, donde no solo llega el transporte, sino que llega el Estado con un montón de cosas, con equipamientos, con canchas, con centros de salud, con escuelas, y la gente se apropia de esos lugares y empieza a querer más su territorio. Donde llega una uva, la zona se transforma inmediatamente. O donde llega el transporte metro. Antes de que eso existiese, eran sectores muy deprimidos. Cuando llega el acceso, inmediatamente la zona se transforma, se vuelve comercial, mejora las condiciones de vida de las personas y la calidad de vida de ellas mismas. Lo que pasa con el transporte es que la gente puede empezar a habitar la ciudad. Que haya un transporte precisamente marca la posibilidad de que estas jóvenes puedan estar en contacto con muchísimas otras cosas, como por ejemplo con el arte, como por ejemplo con la cultura, como por ejemplo con la educación. Y aujourd'hui, la ville de Medellín a un sistema de transporte complet. Nosotros tenemos un sistema integrado de transporte que está conformado por varios modos, entre ellos el metro, el tranvía, los cables aéreos, un BRT. Este sistema integrado mueve diariamente 1 millón de personas. Al día. Que si no existiese, el tiempo de desplazamiento sería hasta de 2 horas hasta el centro de la ciudad, mientras que a través del sistema cable se van a gastarse 10 minutos. Eso facilita el acceso a la educación, eso facilita el acceso al trabajo y eso va disminuyendo la brecha entre los ricos y los pobres. En plus de rendre sa légitimité à l'État de réduire le temps de transit et de donner accès aux outils essentiels pour se développer aux populations les plus démunies, les transports de la ville de Medellín essaient de résoudre le problème de la contamination de l'air. Es un cambio radical en el entorno, no solo a nivel ambiental porque cambia un transporte que hoy se hace con combustibles fósiles, el metro, los cables, el tranvía es energía eléctrica y los buses, el BRT es con gas natural. Tenemos que hacer un cambio de la forma como nos movernos de una forma más sostenible, intentar que el transporte cada vez sea con tecnologías más limpias, movilidad eléctrica o gas natural, gases que no sean tan nocivos para la salud y el medio ambiente. Cela reste très insuffisant et la ville a d'autres mesures pour réduire la contamination de l'air. Hay unas medidas de restricción de circulación que en las horas pico de la mañana y en las horas pico de la tarde
se restringen unos vehículos para circular para que sea un poco más fácil la movilidad en la ciudad. L'idée, c'est que les voitures doivent se partager le temps d'usage en fonction de la plaque d'immatriculation, mais cette mesure est assez critiquée parce que les personnes les plus riches achètent deux voitures, une pour chaque journée. Et les métrocables sont certes adaptés au relief difficile de la ville, mais ne sont en fait qu'accessibles qu'à une faible partie de la population, ce qui reste donc une solution assez incomplète. Parce que c'est clair que le métro, le développement du métrocab, du métro, du bus, ça a eu une avancée énorme pour la ville et pour son système de déplacement. Mais aujourd'hui, il y a des lignes de métrocab qui sont ouvertes juste pour le tourisme. Du coup, on a vu que le relief difficile de Medellín a pendant longtemps facilité la ségrégation sociale et a permis aux narcotrafiquants de s'implanter dans les quartiers exclus du reste de la ville. Depuis 20 ans, le développement des transports et du métrocab en particulier a été essentiel pour repenser la ville et pour réintégrer les quartiers où régnait la violence. Et même si la ville tire dans le bon sens, c'est loin d'être suffisant et la contamination de l'air ne cesse d'augmenter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous prépare déjà la prochaine vidéo sur la Comuna 13. En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram, Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Un bisou à toute l'équipe.